Marvel Spider-Man Miles Morales, c'est un titre trop long pour un jeu plutôt court qui vient de sortir sur PlayStation 4 et surtout au lancement de la PlayStation 5. Pas franchement un nouveau jeu, il est une annexe au Spider-Man sorti en 2018 sur PlayStation 4. Ce jeu tiré de l'univers de l'araignée de Marvel relançait une nouvelle histoire d'origine et de progression d'un Peter Parker slash Spider-Man plus moderne. Développé par Insomniac Games, que l'on connaît surtout pour les séries des Spyro, mais aussi des Ratchet & Clank, cet univers désormais en deux jeux est approfondi, cultivé, construit, de façon à ne pas être qu'un produit marketing trop facile. Miles Morales est tiré de l'univers Ultimate, récemment fusionné dans les comics, mettant en avant un Spider-Man métis, vivant à New York, mais ayant des origines latinos et africaines. Loin d'une volonté de changer les mentalités, c'est surtout l'aspect pécunier qui a donné envie à Marvel de créer ce personnage. Faire parler de la firme et utiliser le progressisme pour viser un nouveau public, ça fonctionne. Ce nouveau Spider-Man vendra presque 3 fois plus de comics lors de sa première apparition et depuis, son succès n'a jamais flanché. Il est même actuellement le seul Spider-Man de New York dans les arcs scénaristiques des comics. Mais comme pour tout succès financier de ce genre, les artistes vont s'en emparer et le faire vivre au mieux. Scénaristes et artistes lui donneront les bases pour devenir un symbole, un personnage qui représente réellement toute une population trop rarement, voire jamais mise en avant dans un comics, surtout en rôle principal. Et avec Insomniac Games, on a le droit au même traitement. Faire une grosse annexe du premier jeu Spider-Man pour sortir au lancement de la PlayStation 5, pas de problème Sony, mais par contre, ils vont faire ça à leur sauce. Et cette sauce est d'une modernité et d'un progressisme qu'on a rarement l'occasion de voir en jeu vidéo. Ça rend vachement bien. De rien. Oh. Désolé. Je devrais faire langage des signes avec toi le semestre prochain. Déjà que je maîtrise à peu près l'espagnol. Ah si? Tu viens m'expliquer? Desde cuando? Spider-Man Miles Morales raconte comment Miles évolue à New York alors que son mentor, Peter Parker, le premier Spider-Man, doit lui laisser la surveillance de la ville pendant un certain temps. Miles devient alors le seul Spider-Man et doit combattre son syndrome de l'imposteur pendant la moitié du jeu, persuadé de n'être que l'autre Spider-Man. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon. Il évolue dans un Harlem en proie à l'inaction des politiques qui laissent dépérir les lieux. Sa mère, Rio Morales, s'engage en politique et se retrouve au cœur d'un combat contre un géant de l'industrie, Roxxon, imposant une nouvelle énergie révolutionnaire à ses habitants, sans même en prouver l'absence de risque pour leur santé. Ce sont ces nombreux sujets de société très actuels que cette aventure Spider-Man traite, par le prisme d'un adolescent à qui l'on donne beaucoup trop de responsabilités du jour au lendemain. Le mythe du héros façon Peter Parker, mais moins classique et moins manichéen, est surtout beaucoup plus dans l'air du temps. Comme le prouve cette terrible scène où des forces de l'ordre privées sèment la panique au sein de la population et menacent Spider-Man. Une scène qui résonne fortement avec notre actualité et qui ne laissera pas indifférent. Tout le monde va bien. Après l'explosion, le pont s'est mis à... On a l'autre Spider-Man en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Bien reçu. Non! Je suis pas votre ennemi! Qu'est-ce que vous faites? Il nous a sauvés! Hé, hey, laissez-le tranquille! Je filme tout! On veut quoi? Ça! Range-moi ce téléphone! Rangez ce téléphone! Tout de suite! Ne la touchez pas! Dégage! Dernier avertissement! Je les ai sauvés! Notez que Spider-Man s'en sort avec de l'invisibilité, un nouveau pouvoir s'ajoutant à une utilisation de l'électricité en combat qui corrige les gros défauts de rythme du premier jeu. Désormais, si la succession de bastons vous ennuie, mettre le jeu en facile et frapper vos ennemis à coups d'éclairs de vitesse rapide et d'explosion électrique fera très bien l'affaire. On gagne en fun ce qu'on perd en technicité et difficulté, mais honnêtement, on s'en fout un peu. On doit partir ! C'est là-bas! Je dois m'occuper de ces types pour aller aider ces gens! L'entièreté du scénario du jeu mélangera des références comics à de réels sujets de société pour en sortir le meilleur en termes d'idées, mais aussi de représentation.
Les petits détails sont partout, comme ce podcast très feel good qui contrebalance avec ceux de Jameson, le célèbre journaliste acariâtre et réac du Daily Bugle qui faisait rire il y a quelques années, avant qu'il ne devienne bien trop réaliste une fois Trump au pouvoir. Laissez-moi déballer le plus beau cadeau que vous aurez aujourd'hui. Moi, J. Jonah Jameson. C'est mieux que de retrouver un septuagénaire obèse coincé dans sa cheminée, non ? Merci de m'avoir écouté et surtout, arrêtez d'étaler votre vie sur les réseaux sociaux, c'est pas cool. Allez, à plus tard. Côté comics, c'est malin et référencé sans être au nerd et compliqué. On trouve aussi quelques costumes à débloquer, ayant pour certains des petites différences d'animation lors des combats, comme cette armure qui déploie des pattes d'araignée ou ce sac à dos qui cache un chat prêt à en découdre avec les ennemis. C'est mignon, accrocheur et plutôt malin. On retrouve aussi un look de dessin animé pour un costume qui dénote quand même beaucoup avec le reste, et ce costume du fabuleux film d'animation Spider-Verse sorti en 2018 qui propose une option permettant de jouer avec l'effet d'animation si spécifique du film. Spoiler, en 60 fps, ça fait quand même bien mal aux yeux. Pas besoin d'avoir fait le premier jeu ni même de s'y connaître en comics, n'importe qui peut comprendre l'histoire qui se tient d'elle-même et met en avant des personnages féminins d'une force incroyable. Mention spéciale pour Finn, jouée par Jasmine Savoy-Brown, qui dans son jeu, sa voix, sa motion capture est impeccable de réalisme. C'est sans aucun doute le personnage qui ressort le plus de l'œuvre et qui marquerait les joueurs et joueuses pendant de longues années. Je t'en prie, je peux pas. Bref, Miles Morales, c'est le meilleur des Spider-Man et tant pis s'il coûte trop cher pour un jeu qui se termine en 6 à 8 heures en ligne droite. Vous pouvez l'acheter sur PlayStation 4 ou 5, comme bon vous semble, les deux versions étant tout à fait belles, jouables et amusantes, parfaitement égales en termes de sensations. En termes de jeux vidéo à proprement parler, il est un monde libre, héroïque de plus. Mais pour ce qu'il représente, pour son optimisme, son progressisme et ses personnages mis en avant, c'est sans aucun doute un grand pas pour la représentation dans le jeu vidéo. Et ce, sans avoir à se vautrer dans le nihilisme facile d'un Last of Us par exemple. Et puis manette en main, il faut être honnête, quel kiff!